2, 3, BAM! Salut les sandwichers! On est quand même pas mal sur les artisans, je pense qu'on va pouvoir signer un petit contrat avec la CAPEB. 0h34, voilà. On est pas en avance. Hop! Regarde-moi ça. Tu sens ou pas? Alors si tu sens, c'est bon, t'as mis sur la cloche. Salut toi! Bonjour. Ça va? Ça va très bien, Mathias. Et vous, comment ça va? Salut les sandwichers. On espère que vous allez bien. Ah bah moi, ça va. Ça va, ça va. Il est en forme, il va bien. Les sandwichers, aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de Louis. Chaud-froid. Voilà. Voilà. Un mec qui fait des travaux de climatisation. Le mec qui maîtrise son sujet. C'est ça, non? Il fait de la clim. Un climatiseur. Un climatiseur, c'est l'appareil. Le climaticien, c'est. Climaticien? Je crois pas. Hein. Ah ouais? Non. Ah ouais? Climaticien. Attendez. Ah! On avait oublié. À la tienne. On se retrouve aujourd'hui, les sandwichers. Pour la recette du frigoriste. Ah voilà, c'est ça, frigoriste. On cherchait voilà. Comment ça se dit. Donc aujourd'hui c'est la recette voilà. De Louis Chaud-froid. Vous allez voir sa chaîne, ça se passe juste ici. Voilà. Pour l'écoute, il a un message pour nous. C'est parti. Let's go. Salut les sandwichers. Donc un petit récapitulatif parce que ma demande il y a 2 mois n'a toujours pas été prise en compte. Donc je vous remets au défi, une nouvelle fois, je suppose que vous avez du boulot, pour avoir le sandwich du frigoriste. Donc on arrive à l'été, donc je veux quelque chose de léger, de la viande, de la roquette. Du vrai cheddar, voilà, je compte sur vous et je veux le goûter parce que c'est pas le tout de nous faire saliver. Je veux goûter, donc je veux une livraison à domicile où je viens directement à votre studio pour goûter ça. À vous de jouer les sandwichers. Donc bah, alors, bah, bien évidemment, on relève le défi. Donc oui, Louis, on a du boulot. Voilà, on a du boulot. Ouais. On avait eu ta demande, ça se fait aujourd'hui. Voilà, mais le sandwicher, donc une parole, voilà, est plus ou moins rapide. Le bon moment arrive toujours. Voilà, donc on va faire ton petit sandwich fraîcheur. Voilà, on va faire un sandwich chaud-froid, voilà. Bon, en tout cas, les amis, s'il vous plaît, allez lui rendre visite sur sa chaîne. Les sandwichers, on vous met le lien de la chaîne de Louis juste ici. Alors, c'est une chaîne, c'est très professionnel, voilà, c'est pas à la portée de tous. C'est un vrai métier, mais allez voir. Et en ce moment, on est quand même pas mal sur les artisans. Je pense qu'on va pouvoir signer un petit contrat avec la CAPEB. Ouais. Hein? Je pense, ouais. On va faire ça bientôt. Bon, on y va. Le chaud-froid. Donc, c'est un parti. Burger qui va être chaud et froid. Là, c'est un peu facile, voilà. Mais ça va le faire. Voilà. Grégory. Bah alors, on va utiliser comme une nouvelle sauce. Alors, sur la vidéo précédente, on a utilisé une sauce. Exactement. Là, on va utiliser une autre. On a acheté les deux en même temps. Donc... On va goûter les deux. Voilà. Donc celle-ci est un chipotle burger style, ça devrait être pas mal. Chipotle burger style. On va voir ça. Un bon morceau de viande, une petite tomate jaune, de l'oignon, de la roquette. Voilà. On va pas utiliser un fromage qu'on va faire fondre comme d'habitude. On va utiliser un fromage froid de la burrata. Voilà, burrata, voilà. La truffe. Là, je te garantis, saveur de ouf. Ça va claquer. Un bon pain burger, voilà, un bon bun, et puis voilà, let's voilà, go. Exactement, donc on va en faire deux. Et puis ben, ces quatre, tu passeras au studio, Louis, et puis on le goûtera. Exactement. Hein? Parce que livrer sur le chantier, c'est compliqué, hein. J'ai peur que ça vire l'histoire et que tu te chopes pour la cagaille. Et puis surtout, il est quelle heure là? Il est minuit et demi, quelque chose comme ça. Minuit et demi, voilà, minuit 34. 0h34, voilà. On n'est pas en avance. On est encore en forme. Allez, et ben c'est parti. Allez, let's go, ben vas-y, tiens, fais la viande et moi je coupe. La tomate. Tenez, prenez ceci. Merci. Soyez prudent. Oui, merci beaucoup. Il est prudent. Allez, on va faire cuire la viande, on va faire chauffer le pain, tout ça, en 2 exemplaires, un pour lui, un pour moi, et puis bientôt, un pour toi. Parce qu'on a faim ce soir, alors c'est un chacun aujourd'hui. Voilà. Et où le beurre? Where is the butter? Bien, donc les sandwichers. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse votre recette. Vous nous envoyez votre petite vidéo directement dans le lien dans la description, lessandwichers@.com. Vous faites votre demande, une petite vidéo, on vous passe. Dans la prochaine vidéo, on fait votre recette. Mais bien sûr, hein, c'est tellement simple. C'est facile. Voilà, il y a juste un... Enfin, tu connais. Hein. Tellement... Allez, vas-y, va pour les steaks, on va faire chauffer le pain. Alors, ça va être assez rapide, hein.
Ça va être rapide, mais pas moins délicieux. Allez, balance le steak. On s'en fout. 1, 2, 3, bam! Allez, on y va, faut avoir le sel, mon gars. Bam! Allez, je sèle le poivre. Allez, je vais mettre le pain un petit peu des deux côtés là et on va être bien. Bam! Et bam! Voilà! Bam. Allez, ça c'est bon. Ça c'est la bamerie. On met du sel de Camargue. Voilà. Pas. La bamerie, mon copain. La bamerie, la bamerie, la bamerie. Allez, on met le pain en chaud, comme ça, comme d'habitude. Bam. La burrata, on la coupera au dernier moment. Voilà. Comme ça, ça évitera qu'elle coule partout. On va s'émincer les petits oignons. Hein. Bam. Vas-y, mince, mon gars. Un petit peu d'oignon. Et mince, mon garçon. Pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà, ça suffit large. Voilà. Voilà. Si tu sais pas, si tu es nouveau parmi nous, hein, t'actives la cloche. D'abord, tu t'abonnes. Oui, oui. C'est important. Alors oui, c'est important. Si tu veux l'odeur à la maison, tu n'oublies pas, tu t'abonnes, je t'envoie l'odeur tout de suite. D'accord ? Voilà. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Que tu sens là ? Tu sens ? Ah, voilà. Alors, par contre, faut que tu appuies sur la cloche. Si tu sens pas, c'est que t'as pas appuyé sur la cloche. Sur la cloche. Appuie sur la cloche, on recommence. Voilà. Hop. 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 T'as compris? Tu sens ou pas? Alors si tu sens, c'est bon, t'as mis sur la cloche. C'est bien. On peut continuer? Ils ont compris. On peut. T'as compris? Il a compris. Allez, on flippe les burgers, mon Allez, gars. Allez, ça flippe les burgers. Bam. Allez, go. Quoi d'autre? C'est le poivre? Ouais, allez, on va saler, poivrer. Bon, mon Louis, j'espère que tu vas kiffer ta recette. Nous, en tout cas, on s'amuse bien à la faire. Je pense qu'on va se régaler. Ouais, bon, c'est du facile à faire, Louis. C'est facile, mais même pour trouver de bons ingrédients. Voilà, exactement. Voilà. Je pense qu'on va se régaler. Allez, on va déjà sortir le pain. On va saucer l'ami. Ouais. Bam. Et on va mettre l'oignon en bas. Elle sent bon celle-ci. Ah ouais, elle sent bon. Mais elle est bonne celle-ci. Allez, vas-y, bam! Bam! Oh là là, ça sort pas! Vas-y, bam! Vas-y, vas-y, sois généreux là. Voilà. Voilà! Allez, c'est bon. Bam! Allez, les petits oignons. Juste là. Pas en mettre trop. Aux petits oignons, comme dirait quelqu'un que je connais. Allez, go. Allez, vas-y, on envoie les steaks. Allez. Bam. Voilà. Je vais remettre un peu de poivre, par contre. Ouais, du poivre. Ah oui, moi je veux bien. Un petit peu de poivre, s'il vous plaît. Et je serais pas contre encore une petite rasade de sel. Un petit croquant, ça va être Allez, bien. Allez, vas-y. Petite corde de sel dessus, de Camargue, avec de l'ail et des herbes, c'est au top. Alors, elle, on va se la couper. Dans ce sens-là, mais alors attention, sauf là, les amis. Ah, ça va. Attends. Nickel. Ça va fondre dessus. Ça va être une tuerie, mon ami. Là, on rajoute même un peu de poivre. Ah ouais, là, tu peux poivrer. Ça, c'est le top. Bam. Du poivre. Allez, deux rondelles de tomates, la roquette. Ça, ça va être déchirant. Voilà, donc il est là notre burger chaud froid. Oh, la truffe, elle est bonne. La truffe, elle tue. Parfait. Allez, petite roquette ici. Tiens, allez, regarde, prends le dernier morceau de tomate. Oh. Allez, ça refait. Voilà. Bam. Putain, il sent bon le... Tu sens la truffe? Ouais. Allez, les petits chapeaux. Voilà, chapeaute le tien, moi j'ai déjà chapeauté le mien. Eh. Franchement, ça claque. Regarde-moi ça. Regarde, il est aussi gros que ma tête. Tu vois, vous voyez plus, ma tête. Franchement, il est beau. Très, très beau. On va se régaler. Grave, c'est parti à l'attaque.
c'est excellent. Alors, il n'y a pas de cheddar, Louis, ça. Ah non, c'est le principe du chaud froid. C'est vrai, on n'a pas respecté ta recette. Désolé. Mais tu ne perds pas au change. Mais franchement, ça claque. Là, toi, tu manges vite quand même. Moi, je mange super vite. Regarde, le mec, il a mangé. J'aime déjà manger pratiquement, pendant que c'est chaud. Pratiquement la moitié de son burger. Moi, j'ai mangé deux bouchées de rien du tout. Ben. Ah ouais, mais pas là pour rigoler, moi. Et puis tout ça pour ça. Il mange pas, il fait tout tomber. Franchement, ça te déchire. Ouais, sandwicher, merci beaucoup d'être avec nous, une fois de plus. J'espère que cette recette vous a plu. Allez, Louis, on espère qu'elle t'a plu aussi. Hein. Ah bah oui. Allez faire un tour sur la chaîne de Louis. Et puis... Passez-lui le bonjour des sandwichers. Voilà, exactement. À bientôt, merci, bon week-end, bonne semaine. Ciao, ciao. Oh. Salut les sandwichers, bye. Bye. Ciao.